Alors, coach, ça ne marche pas cet après-midi à Fumbo, tu es face à la Colombe Dundé. Réaction d'après-match? Ouais, c'est difficile de jouer les matchs de coupe, les matchs à l'élimination directe, c'est très difficile à prendre. Maintenant, on a mal entamé le match en prenant rapidement un but au début du match. Et voilà, on a essayé de tout donner pendant la première et la deuxième, puisque la deuxième, quasiment, on faisait de jouer. Voilà. C'est le match à l'élimination directe, ça paye cash. Maintenant, on va se retourner rapidement vers le championnat pour essayer de gagner quelques points. Alors, il faut dire que c'était pour la Coupe du Cameroun. Vous dites que l'objectif n'a pas changé certainement. Aller le plus loin possible, pourquoi pas jusqu'aux Interpol. Oui, on va continuer de travailler. Vous savez, le championnat à 3 points, c'est difficile. Maintenant, on a fait une série de 3 matchs, 3 défaites d'affilée en championnat. Tout le monde perdra les points certainement dans cette poule. On va simplement continuer à croire et à travailler. Et on verra ce qui se passera dans la suite. Alors, coach, sans revenir sur ce match, justement, on parle d'un but annulé. Alors, décrivez-nous déjà l'action de ce but qui a été par la suite annulé. Bon, on ne peut pas dire que c'est un but annulé. C'est un fait de match et si le joueur est mal placé, après, le but est refusé. Pas contre le coup, mais sur la réalité. Donc voilà, on ne peut pas dire que le but a été annulé. L'arbitrage, pour moi, a été bien fait. Les enfants n'ont simplement pas été à droit au niveau de la finition. Désolé, alors que nous travaillons dessus chaque jour. Maintenant, on va se remettre au travail et continuer simplement à croire en championnat. Lorsqu'on dit espoir de la MIFI, c'est quand même un grand nom. Est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs de cette saison? Oui, on s'était dit au début qu'on devait simplement essayer de mieux faire du Cameroun que la saison passée. Je crois qu'on se faisait éliminer au troisième tour éliminatoire de la Coupe du Cameroun l'année dernière contre le Stade Banjoun, ici même au tir au but. Maintenant, nous sommes en train d'échouer au deuxième tour. Voilà. On espère, on a une petite chance que je pourrais faire parce qu'on pourra peut-être être repêché comme meilleur perdant parce qu'il y aura un meilleur perdant qui doit être repêché au prochain tour. Donc voilà. On peut dire que nous sommes éliminés maintenant, quitte à croire aux différents résultats pour espérer. Voilà. Merci, coach.